sangre, sangre de Giuliano Escapunto. Escúchale, escúchale. Choca. Agua, 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 agua. Democracia bereso, mere maro kletombo. Democracia toye metome, mere maro kletombo. Mere maro kletombo, mere maro kletombo. Se me do kozio, de viwena zete. Se me do kozio, de viwena zete. Democracia bereso, mere maro kletombo. Democracia to ye me tome, mere maro se tombo, mere maro se tombo, mere maro se tombo, de mero cozeo, mere wena y se fe, de mero cozeo, mere wena y se fe. Puse, puse, se puso, ya. Auditrice, auditeur, fidèle au programme des radios à la Kétou FM de Kétou et au Lokiki FM de Poubé, bonjour. Comme annoncé, nous recevons ce jour en direct sur la radio à la Kétou FM et en synchronisation avec au Lokiki FM de Poubé, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbidji. Avec lui, il sera question du décryptage des sujets d'actualité au plan local, national et international. Je rappelle que M. Wilfried Léandre Mbidji est un ancien journaliste du quotidien La Nation, observateur de la scène sociopolitique du Bénin et écrivain. Il a en son actif plus de 4 ouvrages dont le dernier en date est intitulé « Incipal Patrice Talon ». Il est actuellement le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Monsieur Wilfried Léandre Mbidji, soyez les bienvenus dans le département du Plateau, en l'occurrence la commune de Kétou, et plus précisément dans les locaux de radio à la Kétou. Bonjour à vous, bonjour à vos auditrices et auditeurs. À la conduite de cette émission, je suis Élisée Arangbe de la radio à la Kétou. Cher confrère Raimi, bonjour. Bonjour cher ami Élisée et bonjour au porte-parole du gouvernement qui a bien voulu prêter aux questions des journalistes du département de Plateau. Monsieur le porte-parole, pour le bonjour encore. Et bonjour. Et chers auditeurs, Ferdinand Béhi a su la manipulation technique de cette émission. Et je rappelle que cette émission est interactive. Ceci étant, vous aurez le privilège de nous appeler via nos numéros et intervenir sur l'émission au moment opportun. Merci d'avoir pris ce rendez-vous et merci de nous suivre avec attention. Nous n'oublions pas également ceux-là qui nous suivent à travers la plateforme Africa Web Radio. Bonjour chez vous. On plante le décor, monsieur le porte-parole du gouvernement. La question des modifications apportées au code électoral dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024 suscite inquiétude et controverse. Plusieurs questions se posent, mais les réponses varient d'une interprétation à une autre. Dites-nous, en quoi ces nouvelles modifications contribuent-elles au meilleur fonctionnement du système politique béninois et au renforcement de la démocratie? L'Assemblée nationale, composée de députés de la majorité présidentielle et de l'opposition, donc une Assemblée nationale inclusive, a voté la réforme du code électoral pour y introduire des modifications censées contribuer à structurer autrement la vie politique et en particulier la vie partisane de notre pays. L'objectif, pour ce qu'il convient d'en comprendre, c'est de faire en sorte que les partis politiques au Bénin soient des partis politiques d'envergure nationale, soient de grands partis. En tout cas, faire en sorte que nous ayons de grands partis d'envergure nationale au Bénin. Parce qu'on peut avoir 100 partis, on peut avoir 200 partis, et si on en a 100 ou 200, il est clair que tous ne seront pas de la même envergure. Mais ceux qui aspirent à être des partis de gouvernement, ceux qui aspirent à être des partis de gouvernement, qui veulent avoir des députés, qui veulent avoir des maires, qui veulent voir sortir de leur rang les présidents de la République, il faut qu'ils soient des partis implantés partout au Bénin pour qu'il ne soit plus jamais dit que tel parti est de telle région ou de telle partie du Bénin. Vous voulez diriger tout le Bénin, le code vous demande
d'être partout. Et c'est pour ça que ce code a mis un seuil de représentativité pour les partis. Lorsque vous allez aux élections législatives, le code vous demande d'avoir au moins 20% des suffrages dans toutes les circonscriptions électorales législatives, donc dans les 24 circonscriptions, pour pouvoir participer à la répartition des sièges. Si vous n'avez pas 20% au moins dans chacune des 24 circonscriptions, vous ne prenez pas de siège de député. Dans l'absolu, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un parti politique ne peut plus se permettre de dire « Moi, je suis très fort dans l'EME, je suis très fort dans le Zou, je suis très fort dans l'Aribori-Bogou et je n'ai personne pratiquement dans le plateau parce que, bon, le plateau ne m'intéresse pas trop ou bien je n'ai pas de leader là. » Si vous dites ça comme parti politique, à cause de votre mauvais score dans le plateau, vous pouvez perdre les voix que vous aurez eues partout ailleurs au Bénin. Et il en est ainsi parce que le législateur voudrait que les partis politiques contribuent au renforcement de l'unité nationale, à la promotion de la cohésion nationale. Parce que plus on vous demande d'être fort, c'est que plus on vous demande de travailler à réunir les Béninois de toutes les parties du pays, que les Béninois se parlent entre eux, qu'ils apprennent à vivre ensemble, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et ce faisant, l'unité nationale sera promue. On vous demande en tant que parti politique de faire ça. Mais pourquoi? Parce que vous aspirez à être un parti de gouvernement. Et donc les partis politiques sont au cœur de la gouvernance politique et du développement équilibré du territoire. Un parti politique qui aspire à prendre le pouvoir d'État et à le gérer doit s'intéresser à toutes les localités, à toutes les communes du Bénin. Et ne pas dire « je privilégie tel au détriment de tel ». S'il fait ça, il n'est pas un parti politique qui a l'ambition nationale. Aujourd'hui, dans notre pays, on fait des efforts, on a commencé à faire des efforts pour qu'advienne de grands partis. Mais ce n'est pas encore le niveau souhaité. Quand vous allez sur notre continent, et pour ne pas aller trop loin, on est à côté du Nigeria ici. En général, vous connaissez deux grands partis au Nigeria, en général. Pourtant, il y en a d'autres. Mais ces deux grands partis, ce sont ceux qui ont rempli les conditions au fil du temps pour s'imposer comme des partis nationaux, des partis de gouvernement. Et quand il y a une élection, on sait que la compétition sera rude entre ces deux partis. Quand vous allez au Ghana, c'est la même chose. Vous allez en Afrique du Sud, vous avez ça. J'ai donné des exemples de pays qui sont sur le continent africain pour dire qu'il est possible donc sur notre continent de faire ça. Nous faisons des choses bien que les autres viennent copier. Là où nous trouvons aussi du bien, on peut s'en inspirer pour structurer notre vie politique, notre vie partisane. Et je ne parle pas de pays en Europe ou en Amérique où vous avez cette structuration qui fait que des partis sont au-dessus du lot. Et il y a d'autres qui ne sont pas des partis de gouvernement, qui considèrent que leur mission à eux, c'est de contribuer à faire les débats. Donc, ils agitent les idées autour desquelles les gens vont discuter et ces partis se satisfont de cela parce qu'ils considèrent que c'est pour ça qu'ils sont là. Et ils ne veulent pas travailler pour être présents dans toutes les circonscriptions. Ils peuvent créer leur parti politique, les conditions de base, avoir un siège national même. Mais après, ils se disent, bon, moi, je veux juste partager des idées. Et si un jour, ça plaît à un grand parti de prendre, je suis prêt à contribuer, à discuter avec lui pour améliorer, voir comment on met en œuvre. Ça, c'est son choix. Mais s'il veut avoir des maires, il veut avoir des députés, il veut avoir des présidents, il faut qu'il fasse ce que la loi dit. Première grande avancée. Parce que vous êtes un parti fort, représenté partout, vous allez porter des gens qui veulent être présidents. Ça veut dire que ceux qui aspirent désormais à être présidents au Bénin, eux-mêmes sont des gens d'envergure nationale. Ce ne sont plus ou ce ne seront plus des leaders qu'on connaît juste dans tel département ou dans tel autre. Eux-mêmes auront déjà fait montre d'un charisme et être portés par les partis déjà implantés partout au pays, de sorte qu'à l'arrivée, ce sont des leaders nationaux. On les connaît. Eux-mêmes ne se revendiquent plus vraiment d'être leaders de telle région, de telle commune. Non. C'est un leader national porté par un parti national. Ce code, en plus de cela, il veut fidéliser les élus des partis à leur formation politique d'origine. Donc, il veut lutter contre la transhumance. Vous êtes des journalistes, j'ai pratiqué le métier, et depuis 90 au moins, nous nous sommes plaints de ce que beaucoup d'acteurs politiques se comportent mal envers les électeurs. Les électeurs vous ont fait confiance et ont voté pour vous parce que vous êtes revendiqué d'une obédience donnée. Par exemple, vous êtes de l'opposition. Et c'est parce que votre parti critique l'action du pouvoir, parce que vous faites des propositions alternatives, que les électeurs ont voté pour vous. Et une fois qu'ils ont voté pour vous, vous êtes élu, vous considérez que bon, maintenant là, je peux m'arranger avec le pouvoir, je quitte l'opposition, je rejoins la mouvance présidentielle. Le code là dit non. La transhumance. Le code dit non. Vous êtes élu au titre d'un parti, vous devez honorer la confiance que les électeurs vous ont faite
et vous devez rester fidèle à votre parti. Comment le Code dit non? Le Code dit non en prévoyant que, comme ce sont les maires et les députés qui donnent les parrainages, le Code dit que vous ne pouvez pas être le député d'un parti d'opposition et aller parrainer un candidat d'un parti de la mouvance présidentielle. Dans le contexte actuel, vous ne pouvez pas être député LD et dire « Je ne suis pas d'accord avec le choix que mon parti a fait. Moi, je vais donner mon parrainage à un candidat UPR ou à un candidat BR. » Le Code dit que ce n'est pas possible. Mais le Code vous laisse la possibilité. Si vous n'êtes pas d'accord, parce que peut-être au sein de votre parti, il n'y a pas eu de débat démocratique et que quelqu'un ou quelques-uns se sont entendus et sont venus vous imposer, quelqu'un dit « C'est celui-là qu'on va supporter. » Et vous vous dites « Non, je ne connais pas cette personne. Elle ne nous a pas montré de quoi elle est capable. Ça ne peut pas se passer ainsi. » Vous avez ce droit. Mais vous n'irez pas pour autant soutenir quelqu'un du camp opposé. Vous pouvez trouver un autre candidat de l'opposition parce que vous êtes du même bord politique et dire « C'est à celui-là que nous on fait confiance, on va lui donner notre parrainage. » Mais ça ne peut pas être au profit d'un candidat de parti soutenant le pouvoir. De la même façon, un élu d'un parti qui soutient le pouvoir, s'il n'est pas d'accord avec le choix qui est fait par son parti, il ne peut pas aller donner son parrainage à un parti d'opposition parce que comme ça, il n'aurait pas respecté le choix des électeurs qui lui ont fait confiance en raison de son positionnement sur l'échiquier politique. Donc, ce code, il permet de fidéliser les élus à leur parti, mais aussi à leur obédience politique, leur bord politique. Après ce code, il est totalement inclusif. Totalement inclusif. Les 20% qu'on demande aux partis d'avoir aux élections législatives, c'est à partir des législatives de 2026. Donc, tous les partis aujourd'hui ont encore 2 ans pour travailler à se renforcer. Factuellement, quand vous voyez, aucun des partis aujourd'hui n'a réussi à faire 20% au moins dans toutes les 24 circonscriptions électorales législatives en 2023. Aucun. Ni UPR, ni BR, ni LD qui sont rassemblés, encore moins les autres qui n'ont pas réussi à avoir des députés. Ça veut dire que les conditions que la loi prévoit aujourd'hui sont les mêmes pour tout le monde. Si vous êtes UPR et que vous ne travaillez pas pour être présent partout, avoir les 20% au moins, en 2026, vous n'aurez pas de députés. Si vous êtes BR et que vous ne travaillez pas dès maintenant sur le terrain pour devenir plus grand et avoir 20% au moins partout, en 2026, vous n'aurez pas de députés. Si vous êtes LD et que vous ne travaillez pas dès maintenant pour dire « je vais me renforcer » et pouvoir avoir au moins 20% partout dans les 24 circonscriptions électorales législatives, vous n'aurez pas de députés. Donc vous voyez que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire « on a fait la loi pour m'exclure ». Parce que si par exemple il y avait un ou deux partis qui en 2023 avaient réussi à avoir les 20% partout, on peut dire, c'est en regardant leur score, c'est pour eux qu'on a fait parce qu'on est sûr qu'eux le feraient. Donc, aucun d'eux n'avait fait ça. Et maintenant, la loi leur fixe un challenge, un défi qu'ils doivent aller relever. La loi a fait mieux. Elle a dit 20%, mais la loi regarde. Et c'est qu'en 2026, il y a la présidentielle. Et la présidentielle, il faut aussi des parrains. En faisant 20% dans toutes les circonscriptions électorales législatives, la logique aurait voulu que la loi fixe aussi à 20% le taux des parrains pour prendre part à l'élection présidentielle. Comme on était à 10% avant, et 10% de parrains du corps et des parrains, du collège des parrains. Mais la loi a regardé la situation actuelle et se rend compte que parmi les partis qui sont à l'Assemblée nationale, LD a 28 députés, BR a 28 députés, mais BR a des maires, LD n'a pas de maire. Les 28 députés ne font pas 20% du collège électoral. On a regardé, ça fait quelle proportion? Ça fait un peu plus de 15%. Donc la loi a fixé le seuil de parrain pour 2026 en tenant compte de l'existant. De sorte que si par exemple LD, qui est parti d'opposition, veut avoir son candidat à lui, il a son candidat et il a les parrains nécessaires qu'il faut pour porter son candidat. Et il est d'autant plus rassuré que les partis de la mouvance présidentielle ne peuvent pas débaucher ses députés. Donc il leur appartient de savoir se gérer pour que tout le monde, le moment venu, soit d'accord et accompagne le candidat qu'ils auront choisi. Mais ils peuvent aussi conclure un accord de gouvernance avec d'autres partis d'opposition. Si ces partis ont des députés ou des maires, qui peuvent aussi leur donner les parrainages. Donc, voici les points majeurs que ce code porte. Et s'il le fait, c'est parce que la qualité de la gouvernance du pays est déterminée par la qualité des hommes que les partis proposent. Et c'est pour ça que ce code se fixe comme objectif de faire des partis les véritables acteurs de la gouvernance du pays et de son développement équilibré.
Voilà. Monsieur le porte-parole du gouvernement, ces modifications ont été apportées à quelques mois des élections générales. À plus de 2 ans. Voilà. À plus de 2 ans. De pas quelques mois. Bon. Et dites-nous, pensez-vous que ces partis politiques ont assez de temps pour pouvoir remplir toutes ces formalités? Mais hein, j'ai dit à plus de 2 ans. Hein. Plus de 2 ans. Quand vous arrivez en classe d'examen, vous avez 9 mois pour préparer votre examen. Bon, vous avez commencé à le préparer depuis les autres classes, mais particulièrement, vous avez 9 mois. Et quand vous commencez la rentrée, vous savez qu'à la fin de l'année, il y a les examens. Vous travaillez tous les jours, vous n'attendez pas 1 mois avant ou 2 mois avant, vraiment, pour commencer à vous préparer. Certains le font, ça le marche, mais en général, ça ne marche pas, parce qu'il faut travailler au jour le jour. C'est ce qu'on demande aux partis politiques. Et ils ont plus de 2 ans pour se mettre à l'œuvre. Les prochaines élections générales, c'est en janvier 2026. Et en avril 2026, nous sommes à plus de 2 ans. Donc, on demande à tout le monde d'aller sur le terrain, travailler, sensibiliser les populations pour les convaincre de venir avec vous dans votre parti politique. Travailler avec les autres partis politiques qui sont peut-être moins grands que vous pour leur demander de venir parce que vous êtes du même bord politique. Vous allez vous mettre ensemble, devenir un seul parti, mais plus grand. C'est ce qu'on demande aux uns aux autres. Donc, ils ont largement le temps d'aller sur le terrain et de travailler à être fort pour remplir les conditions prévues par la loi pour demain participer à la répartition des sièges. Monsieur le porte-parole du gouvernement, une question tarot de l'esprit. Je parle comme le Béninois de la rue, l'homme de la rue et l'homme des réseaux sociaux. Estime que certains articles ont été retranchés du code voté et quand à la promulgation, on n'a pas retrouvé ces articles dedans. Est-ce que vous avez la même appréhension que ces citoyens? La Cour constitutionnelle qui est chargée du contrôle de conformité de la loi à la Constitution a connu d'un litige ou de litiges élevés devant elle par plusieurs députés LD et quelques citoyens. Et la conclusion de la Cour, après avoir entendu ces députés, leurs avocats, entendu le représentant du président de l'Assemblée nationale, la conclusion de la Cour, c'est que la loi qui a été transmise est restée fidèle à ce qui a été voté à l'Assemblée. Donc, l'intégrité de cette loi ne pose pas de problème. Après, j'ai entendu d'autres députés expliquer que au sein de la commission des lois, où se discutent préalablement les projets, le débat a été fait. Et qu'à un moment donné, certains députés sont partis et n'ont pas suivi les débats jusqu'à la fin. De sorte qu'en partant, ils sont restés sur ce qui avait été discuté, mais ils n'ont pas vu le rapport final de la commission. C'est ça qui explique qu'ils sont allés dire que la loi votée n'est pas conforme à ce qui a été discuté. Mais ça, c'est leur faute. C'est pas la faute du gouvernement. Sur la question du code électoral, donc on estime que le code est fait peut-être pour faire blocage à un certain candidat proche peut-être du chef de l'État. Donc on estime que le mouvement qu'on a lu sur les réseaux sociaux, OB et autres, et que c'est pour ça que ça a été voté, c'est votre avis aussi? Je ne suis pas informé de cela. Merci donc à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. Élisée? Oui, nous continuons. Monsieur le porte-parole du gouvernement, l'une des modifications qui suscite la controverse se trouve également dans l'article 132. Nouveau, je veux bien citer. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est durement parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant au moins à 15% de l'ensemble des députés et maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Fin de citation. La question, c'est de savoir, au cas où les partis Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et même les démocrates n'arrivent pas à remplir ces conditions, quelle serait la conduite à tenir? Aujourd'hui, les 3 partis qui sont à l'Assemblée remplissent ces conditions. Chacun d'eux a au moins les 15% d'élus composant le collège des parrains. Chacun d'eux a au moins les 15%. Et pour chacun d'eux, les élus qu'ils ont proviennent d'au moins les 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Cela représente 15 circonscriptions sur 24. Par excès, ça fait 15. Même en LD qui a 28 députés et qui n'a pas de maire, ces 28 députés, quand vous regardez bien, ils proviennent d'au moins 15 circonscriptions sur les 24. Donc chacun des 3 partis politiques à l'Assemblée aujourd'hui remplit ces conditions. C'est pour ça que je disais que ce code, il est inclusif. Il permet à ceux qui veulent aller aux élections d'y aller. Maintenant, si vous ne voulez pas aller aux élections, c'est autre chose. Mais si vous voulez y aller, vous remplissez les conditions, vous pouvez aller aux élections. On va finir sur la question du code électoral. Monsieur le porte-parole du gouvernement à Karakou, une phrase, les journalistes ont pris une phrase qui est passée en boucle
dans plusieurs journaux. Le président de la République est candidat en 2026 à la préservation des acquis. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça pour finir pour Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Ça veut dire tout ce qui est bien fait, oui. On les garde. Que le chef d'État voudrait bien qu'après lui, ce qui est bien fait soit conservé par son successeur, quel que soit le bord dont il provient. D'accord. Et ça ne veut pas dire autre chose que cela. D'accord. Merci donc à vous. Je rappelle, hein, pour ceux qui, je taille un secret en disant que le porte-parole du gouvernement a entendu tout ce qu'il a dit pour avoir fait un parcours également dans le département du Plateau au collège du Sieur-Jean Pauvercy chez Manavis, monsieur le porte-parole. Merci donc à vous. On va aborder la question des aspirants aujourd'hui. Le gouvernement a fait un clin d'œil aux aspirants, monsieur le porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est une volonté du gouvernement ou bien c'est après les réclamations des différentes organisations de cette catégorie d'anciens? Bien, vous êtes des observateurs de l'actualité nationale. Je crois que vous n'avez pas observé qu'il y a eu des réclamations bruyantes, des manifestations de rue, des meetings, des sittings de réclamations, revendications ou protestations pour que l'on en arrive là. Le gouvernement, depuis 2016, le président de la République montre qu'il sait être à l'écoute des populations et que son gouvernement sait poser les actes dès lors que les conditions sont remplies, même quand il n'a aucune pression sur le dos. Les AME, c'est une composante essentielle aujourd'hui de notre système éducatif. Bien entendu, nous avons réformé la pratique qu'il y avait avant qui consistait à avoir des vacataires. Mais chacun sait, et les AME vous le disent même, chacun sait que le modèle de la vacation tel qu'il était avant, nous l'avons vraiment amélioré, y compris en ce qui concerne les conditions de rémunération. C'est vrai que quelques vacataires avant gagnaient mieux que ce qu'on leur donne aujourd'hui, mais on a fait une moyenne et la grande majorité de ceux qui étaient dans la vacation n'avaient pas ce qu'on donne aujourd'hui. Malgré cela, on sait que des efforts doivent être faits. Et ces efforts, c'était par exemple de passer de 9 mois qu'ils prenaient au début, exactement comme quand ils étaient en vacation. Parce que quand vous êtes en vacation, pendant les congés, pendant les vacances, vous ne travaillez pas, les écoles ne sont pas ouvertes, vous n'avez pas de revenus. On avait commencé par là. Mais on s'est dit, oui, ils étaient des vacataires, d'accord, mais aujourd'hui, ils sont plus vacataires parce que nous avons réformé. Et on peut faire un effort. On est passé de 9 à 11 mois. Ils ont souhaité que ce soit 12. Et le gouvernement leur avait dit, dès que les conditions seront remplies, ça va se faire. Je suis sûr qu'ils n'y croyaient pas. Et donc, le gouvernement a considéré aujourd'hui que les conditions sont remplies. Et c'est pour ça qu'on a annoncé qu'ils auront leurs 12 mois. Ça veut dire qu'on n'a même pas fini l'année au cours de laquelle on leur a annoncé qu'on ferait 11 sur 12 et qu'on met en œuvre la mesure, ils sont à 12 mois sur 12. Mais en plus, ils ont une prime mensuelle de 20 000 francs pour compter de ce mois de mars. Et ceux qui ont déjà touché parmi eux peuvent vous dire qu'ils ont déjà eu cette prime-là de 20 000 francs supplémentaires, ce qui n'existait pas avant et ce qui n'a jamais été dans leurs revendications. Ces deux mesures-là seules font plus de 10 milliards de francs CFA d'incidence financière sur l'année au profit des AME. Par ailleurs, on a dit que désormais, ils auront l'assurance maladie. Vous savez que les agents de l'État ont une prise en charge. Mais nous sommes en train de faire l'assurance maladie universelle pour tous ceux qui vivent au Bénin. Et le gouvernement a dit que les AME bénéficieront de l'assurance maladie au même titre que les autres agents de l'État. En attendant, mieux. Les enfants qui vont dans les écoles, jusque-là, ils payent la contribution. Alors que les enfants des enseignants, fonctionnaires ou contractuels de l'État ne payent pas. Nous avons voulu rétablir l'équité, la justice sociale au profit des AME en décidant que donc les enfants ne paieront plus la scolarité. Ce qui veut dire que dès la rentrée prochaine, les enfants des AME, ils n'auront pas à payer la scolarité. Et puis les femmes qui sont dans le lot et qui ne bénéficiaient pas de congé de maternité, aujourd'hui c'est chose possible, on leur reconnaît leur droit de jouir de leur congé de maternité si elles étaient enceintes et sur le point de se faire accoucher. Toutes ces mesures ont été prises en attendant la mise en œuvre de la grande mesure de reversement en agent contractuel de droit privé de l'État. C'est ce qui est prévu. Mais ils sont plus de 30 000. Je vous ai dit tout à l'heure que sur deux mesures seulement, on est à plus de 10 milliards. 10 milliards. Si on devrait reverser les 30 000 d'un seul coup, comme on l'a envisagé, ça nous fait une incidence de plus de 100 milliards, je dirais 127 milliards à peu près. C'est beaucoup. C'est énorme pour le budget national. Et c'est pour ça que les ministres sont en train de travailler actuellement, les ministres concernés, primaires, secondaires, fonction publique et finances notamment, sont en train de travailler pour voir quelles vont être les modalités les meilleures pour leur reversement. Est-ce qu'on arrive à trouver un moyen pour reverser tout le monde d'un seul coup? Ce serait formidable. Si on n'y arrive pas, comment on procède? Est-ce par vague?
Et si ce n'est pas vague, selon quels critères? Parce qu'ils appartiennent à plusieurs cohortes. Selon quels critères on va faire ce reversement pour que, en tout cas, progressivement, tout le monde soit pris en compte par ce reversement-là? Donc, les ministres travaillent là-dessus. Il a dit que toutes ces mesures ont été annoncées sans qu'on ait eu de pression de quiconque. Même des gens, votre question est intéressante parce que j'ai vu même des gens qui n'ont pas voté le budget général de l'État à l'Assemblée nationale essayent de revendiquer la paternité de cette mesure parce que c'est une mesure sociale très appréciée et veulent faire croire que c'est eux qui ont poussé le gouvernement à prendre cette mesure. Personne n'a fait de pression sur le gouvernement. C'est le président de la République qui a dit à ses ministres « Travaillez à ce que nous améliorions les conditions de travail et de vie des AME en attendant plus grand encore. » L'autre bonne nouvelle à l'intérieur de la décision, c'est que certains AME suspendus ont été réintégrés. Qu'est-ce qui motive tout ça? Tout à fait. Ils sont au total 175 qui, en 2021, avaient organisé des mouvements de grève, contrairement à ce que la loi prévoit, des mouvements de grève pour essayer de démobiliser leurs camarades ou donc pour cesser les activités alors qu'ils ont signé un contrat qui ne leur permet pas de faire ça. Et le ministère de tutelle a bien fait administrativement en les sanctionnant. Dès qu'ils ont été sanctionnés, certains d'entre eux sont allés plaider pour dire « bon, on a fait une erreur, on ne savait pas, il faut nous aider ». Le gouvernement a considéré que 3 ans après, bon, ils ont payé le prix qu'il fallait, donc ils ont été sanctionnés, ils ont exécuté la sanction. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est dit « bon, ils sont 175, ce sont 175 familles béninoises et peut-être plus qui sont impactées ». Et comme on ne l'a pas fait méchamment, mais qu'il s'agissait d'appliquer les règles pour donner des leçons à tout le monde, et que les intéressés eux-mêmes ont compris qu'ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait, le gouvernement a considéré que s'ils sont toujours disponibles pour reprendre les activités en tant que AME, on peut leur ouvrir à nouveau les portes de l'école béninoise afin que dès la rentrée prochaine, ils puissent être déployés. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui sera fait pour éviter les affectations punitives entre griffes pour certains AME dans les localités? Est-ce que les dispositions seront prises? Il n'y a jamais eu d'affectation punitive. C'est le thème que les anciens souvent utilisent quand on les affecte d'une localité à une autre. Il n'y a jamais eu d'affectation punitive. Nous avons observé avec les AME, et cela est arrivé aussi parfois avec les fonctionnaires de l'État, nous avons observé qu'au départ, surtout, quand vous envoyez certains dans des localités données, soit ils n'y vont pas, soit ils y vont et puis ils font quelques semaines et ils rentrent en considérant que là-bas, c'est trop loin au Bénin. Mais nulle part au Bénin n'est trop loin pour un Béninois. Si vous êtes à Porto-Novo, à Cotonou et qu'on vous envoie à Kalalé, vous ne pouvez pas prétester de ne pas connaître là-bas, considérer que c'est trop loin de chez vous et refuser d'y aller. Ce sont des enfants du Bénin qui sont à Kalalé et qui ont besoin aussi d'avoir les mêmes conditions que l'État crée partout. Si vous êtes bon enseignant, les enfants du Kalalé aussi ont besoin de bons enseignants. Donc, le gouvernement a fait en sorte, en tenant compte de cette pratique, et dans les cohortes qui ont suivi d'AME, on est passé au recrutement sur titre ou sur poste. C'est-à-dire que vous postulez en ayant conscience que vous voulez aller servir dans tel département. Vous vous engagez, on vous dit les postes sont ouverts dans tel et tel département. Donc, vous allez compétir. Vous composez en sachant que si vous réussissez là, vous serez déployé dans la Liborie ou bien dans le plateau. Donc, si vous étiez par exemple dans le Koufo et que vous avez composé pour être dans le plateau, si on vous envoie à Ketou ici, à Ilara ou à Idigny par exemple, vous ne pouvez pas dire je ne connaissais pas là-bas, c'est trop loin de ma commune d'origine, donc je ne peux pas y aller. Si vous ne voulez pas, vous perdez votre place. On vous a recruté pour ça. Et ça, c'est une solution aussi que le gouvernement a apportée à cette pratique afin que les enfants, ils aient des enseignants face à eux quand ils vont dans les écoles. On ne peut pas faire tous les efforts qu'on est en train de faire. Donner à manger aux enfants au primaire pour les maintenir dans le système éducatif. On a réglé les questions de grève et tout pour que l'école publique regagne en crédibilité. Et les parents commencent à voir. Les enfants, et même les acteurs de l'école eux-mêmes, sont fiers de ça aujourd'hui, de voir que l'école fonctionne bien. On ne peut pas faire tout ça et en même temps laisser quelques pratiques qui viendraient nuire à l'efficacité et à la qualité de ce qui se fait. Merci donc à vous, Olivier. Oui, avant de recevoir dans ce studio Samuel Adjaï pour la traduction, monsieur le porte-parole du gouvernement, permettez-nous de vous poser cette question. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger et la fermeture des frontières terrestres avec le Bénin, les activités commerciales et de transport rencontrent d'énormes difficultés.
plusieurs camions de marchandises sont bloqués sur le pont reliant la ville béninoise de Malanville à Gaya au Niger. Il est vrai que depuis quelques jours, le Bénin a rouvert sa frontière avec le Niger, qui entre-temps était fermée en application des sanctions décidées par l'organisation sous-régionale CEDEAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Mais jusque-là, rien n'est fait du côté nigérien. Monsieur le porte-parole du gouvernement, que fait le gouvernement béninois pour normaliser les relations avec les autorités de la transition de ce pays? Mais votre gouvernement, il a fait tout ce qu'il doit faire. D'abord, je suis heureux que vous ayez rappelé le contexte dans lequel les sanctions ont été prises. Oui. Ce n'est pas le Bénin, en tant que pays, qui a des problèmes avec le dirigeant du Niger. Non. Le Bénin, de tout temps, a entretenu des rapports de bon voisinage avec les pays qui nous entourent. Les Nigériens eux-mêmes vous diront que quand il y a eu Covid, par exemple, et que tous les pays ont fermé leurs frontières, alors qu'eux n'ont pas d'accès à la mer, et le Bénin n'a pas fermé de frontières. Le Bénin leur a permis d'avoir les produits, les masques, les médicaments et tout pour faire face à la pandémie. Donc le Bénin a montré qu'il est un pays frère. Après, pour les principes qui gouvernent la vie de la communauté, la CEDEAO en l'occurrence et l'UEMOA, lorsque l'intervention des militaires a eu pour effet de mettre fin à un pouvoir démocratiquement installé, la communauté a vu que c'est une violation flagrante de ces règles. Et comme cela est admis en droit, les sanctions ont été prononcées. Nous appartenons à la communauté. Nous avons été à Abuja lorsque les décisions ont été prises. Donc, comme nous sommes un pays responsable, qui respecte sa signature, qui respecte sa parole, nous avons, comme d'autres pays de la communauté, appliqué les décisions. En espérant bien sûr que cela aurait eu pour effet, dès que les difficultés apparaîtraient, de convaincre les militaires de ce qu'il fallait rétablir l'ordre constitutionnel avant. Les sanctions n'étaient pas destinées à nuire au peuple, parce que ce n'est pas le peuple qui a fauté. Les sanctions n'étaient pas destinées à nuire au peuple. Mais il se fait que le temps passant, ces sanctions sont demeurées parce que les militaires de l'autre côté n'ont pas fait ce que la CEDEAO et l'UEMOA leur demandaient de faire. Et on voyait bien les effets. Donc le président Patrice Talon, encore le premier, commençait à plaider pour dire et cette décision commence à faire très mal à nos frères et sœurs. Il faut qu'au sein de la communauté, on regarde, je vais plaider pour ce qui a été fait. Et dès que la communauté a levé les sanctions, vous avez noté, nous avons été le tout premier, les instants d'après, à ouvrir les frontières, exactement comme nous l'avions dit. Que c'était une décision de la communauté, dès que la communauté dirait de lever, nous allons agir les instants d'après, et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, de l'autre côté, nous considérons que c'est des problèmes de réglage, de politique domestique, qui font que les autorités nigériennes n'ont pas encore pris la décision. Cette décision ne nous appartient pas. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire et nous avons bon espoir qu'une fois que les autorités nigériennes auront réglé les détails qui font qu'elles n'ont pas encore ouvert les frontières de leur côté, bah, que ce sera fait et que les populations, les acteurs pourront à nouveau commercer librement, faire leurs transactions sans contrainte majeure. Et quand tout ça sera fait, monsieur le porte-parole du gouvernement, est-ce que les propriétaires des camions seront-ils dédommagés? Certainement que la communauté sous-régionale regarde ces détails-là de près. Encore une fois, rappelez-vous, ce n'est pas une décision du Bénin. Sur la question, je vous ai fini, dans ce domaine de fermeture des frontières, vous dites, mais pourquoi la communauté n'a pas pris des sanctions à l'encontre du Togo qui n'a pas respecté les principes, les décisions de la CEDEAO? C'est vous qui m'informez. Moi, je ne suis pas à Abuja. Et ce que je sais, c'est que le Bénin a respecté les décisions. Oui, mais le Togo, les marchandises ont transité par le Togo. Non, les marchandises qui étaient par le Togo, même du Bénin, les marchandises sont sorties. Parce que nous avons dit qu'il y avait Malanville qui était fermée, mais par exemple, notre frontière avec le Togo à Waké, et nous ne l'avons pas fermée parce que ce n'est pas le Togo qui était concerné. Je suis d'accord. Donc les marchandises qui ne pouvaient pas passer par Malanville, nous n'avons jamais interdit que ces marchandises passent par Waké pour passer dans le Togo et y aller. Maintenant, si le Togo n'a pas fermé, n'a pas appliqué les sanctions, ça c'est un autre débat, je ne peux pas répondre de ça. Avant de permettre aux auditeurs d'appeler sur cette émission pour nous poser des préoccupations, monsieur le porte-parole du gouvernement, lors de votre dernier passage sur nos antennes, nous avons évoqué la question du chantier du musée à Tabaïdena de Kétou, dont les travaux sont bloqués depuis un bon moment. Vous avez promis toucher qui de droit
pour une issue favorable, mais jusque-là, rien n'a été fait. Mais le chantier est toujours bloqué? Bloqué. Bah, il faut poser la question maintenant à ceux qui sont en charge de ça pour savoir pourquoi. Parce que moi, vous m'avez informé, j'ai dit à ceux qui s'en occupent, j'avais eu des assurances. Ça veut dire qu'il y a une situation forcément sur le site ou sur le chantier. Je pense qu'il faut vous rapprocher des services compétents qui s'en occupent au quotidien, ce qui n'est pas mon cas, pour comprendre de quoi il est question. Maintenant, vous le dites, et vous savez que je venais ici, si vous m'aviez envoyé ça, j'aurais appelé le ministre, ou j'aurais appelé la CIRAT, les gens qui s'occupent de pour savoir qu'est-ce qui se passe là, concrètement. Mais je pense que ce sera tiré au clair, et ce qui doit être fait sera fait. D'accord, merci beaucoup. Sur la question, en venant ici ce matin, j'ai croisé un ami qui m'a dit de vous dire spécialement que le marché d'Obada souffre énormément dans la commune de Kobe et que de tout faire pour que la construction de ce marché inscrit dans le PAG puisse se démarrer réellement, pour que les bonnes dames qui doivent se déplacer sur des centaines de kilomètres pour aller vendre puissent rester à Kobe et contribuer à l'économie. C'est inscrit au PAG, vous avez dit. C'est quoi? Si c'est inscrit au PAG, nous avons encore un peu plus de 2 ans. Donc, considérez que si c'est inscrit au PAG, ça reste d'actualité. Merci. Donc, à vous, Élie. Oui, nous sommes au 61 80 24 61. Chers auditeurs, appelez-nous via ce numéro et posez votre préoccupation. 61 80 24 61. Monsieur le porte-parole du gouvernement, la situation des marchés que mon confrère vient tout de suite de toucher. Nous allons vous dire qu'à la suite de la première phase du projet de construction des marchés modernes au Bénin, qui a consisté à la construction de 20 marchés modernes dans certaines villes du Bénin, la deuxième phase a été lancée en 2022. Et parmi les 12 communes bénéficiaires de cette deuxième phase du projet se trouve l'une des communes du département du Plateau, à savoir la commune de Kétou. Mais jusque-là, les travaux sont bloqués. Nous ne comprenons pas. Les travaux sont bloqués? Est-ce qu'ils ont été lancés? Ils n'ont même pas été lancés, je veux dire. J'ai dit, c'est la même réponse que je vous fais. C'est prévu au PAG2. Oui. Nous sommes en 2024. Mars 2024. Le mandat finit en mai 2026. Donc nous sommes encore un peu plus de 2 ans. Et j'ai dit, ce qui est inscrit au PAG, tant que le mandat est en cours, considérez que ça reste d'actualité. Et suivez. La question de l'hôpital de zone aussi, dans la commune de Kobe, pose toujours problème. Également inscrit, allô, mais allô, pas encore commencé. Rémi, nous avons un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bon, on m'appelle Okedjo Paulin. Monsieur Okedjo Paulin. Oui. Monsieur Okedjo Paulin nous appelle d'où? De Kétou. D'accord, de Kétou. Oui. Super, votre préoccupation? Bon, je vais demander au secrétaire général. Oui. Bon, tout récemment, ils ont cité certaines routes dans le Bénin. On n'a pas entendu le plateau pour bénéficier au moins 1 kilomètre dans tout ça là. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci. D'accord. Merci d'entendre vous, monsieur Okedjo Paulin. Monsieur le porte-parole du gouvernement. On va recueillir les appels d'abord. Je peux lui répondre en attendant les appels. Oui, oui. Et je crois que on a fait Porto Novo Pobé. Ça, c'est une partie du plateau. Nous sommes à Kétou ici. On a fait Kétou Savé pour désenclaver le plateau. Pendant qu'on faisait ça, il y a des localités qui n'avaient encore rien. Donc, les localités commencent aussi à avoir quelque chose. Et si demain, il y a possibilité de faire d'autres axes dans le plateau, oui, ce sera fait. Mais toujours dans le plateau, on a annoncé la reprise de Akpro Misérité jusqu'à Périkpo. L'entreprise est en train de s'activer pour commencer, puisque cette route dessert aussi une partie du plateau. Donc, rassurez notre ami de ce que, en plus de ce qui est déjà fait et ce qui est en train de se faire ailleurs dans d'autres localités du Bénin, parce que tout à l'heure on parlait du développement équilibré, n'est-ce pas? Oui. C'est ça qui justifie que quand il y a des ressources, on voit comment les dispatcher dans chacune de nos localités afin que le développement touche tout un chacun. Si après ça, il y a des ressources pour faire d'autres choses, c'est sûr qu'il y a des voies prioritaires ici qui seront prises en compte, que ce soit sous ce gouvernement ou sous les prochains. Monsieur Wilfried Léandre Mbedi, selon nos informations, il aurait un projet de construction de voies d'Aka Boïkon. Boïkon, il a... vous confirmez cela? Et c'est au PAG? Ce qui est au PAG et que je sais, c'est Cotonou, Boïkon, Boïkon Data. Cotonou, Boïkon, Boïkon Data. Oui, donc ça par contre, c'est au PAG. Et Cotonou, Boïkon en 2x2. Et nous recherchons aussi les moyens pour pouvoir faire Boïkon Data en 2x2. Et pour l'instant, on a commencé une partie de Akasato jusqu'à Alada, en tenant compte du développement de Glodibé avec les industries qui y sont et le trafic que cela génère. Donc, on a commencé, nous-mêmes, on a anticipé. Et on a déjà obtenu
un accord avec les États-Unis pour financer de Boycon à Dakar en 2x2. Les travaux doivent commencer en 2025. Ça, c'est ce que je sais. Ce que vous avez dit là, je n'ai pas encore l'information. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Oui, bonjour. Vous, c'est qui, s'il vous plaît? Bon, on m'appelle Amoussou Parfait depuis Kétou. Monsieur Amoussou Parfait depuis Kétou. Oui. Monsieur Parfait, oui, votre préoccupation? Voilà, j'ai 3 préoccupations. Vous avez 3 préoccupations. La première? La première. Oui. Je veux demander, concernant le code électoral. Oui. Pourquoi citons les exemples des pays anglophones? Quel pays francophone a ce code en mode d'opération? Le secrétaire nous donne l'exemple d'un pays francophone qui a ce code en mode d'opération. De deux, je voudrais demander, par rapport aux élections présidentielles, est-ce les populations qui vont élire le président ou bien c'est les députés qui vont élire le président? On n'a pas bien compris ce point-là. S'ils n'ont pas nous expliquer ça correctement. D'accord. Ma troisième préoccupation, oui, c'est de jeter un regard d'amour sur la voix d'Ilara. La voix d'Ilara est elle. On ne peut plus l'appeler une voix dégradée, c'est une voix gâtée. Avant le départ de Kétou, ils n'ont pas fait un tour pour aller. Bon, je sais que juste au niveau de la radio, même ils ont déjà vu un peu. Qu'ils descendent un peu sur le niveau de Obama là-bas pour voir comment l'état de la voix est. Alors que c'est la voix qui fait l'entrée et sortie de l'argent de la commune de Kétou. Donc voilà mes 3 préoccupations. Merci. Monsieur le porte-parole du gouvernement aurait bien entendu ses préoccupations. La voix, on la connaît. On l'a vue et on la connaissait. Donc, ça rentre dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une affaire de programmation. Oui. Dès que les conditions seront remplies pour la refaire aux normes, comme aujourd'hui, plus personne ne parle de Kétou savait, parce qu'il fut un temps avant sa réalisation, c'était aussi les réclamations, les complaintes. Mais aujourd'hui, plus personne n'en parle et tout le monde salue cette voie. Donc, en temps et en heure, quand les conditions sont remplies, ce sera fait également là. Sur l'élection présidentielle, rien n'a changé. Ce sont les populations qui élisent le président de la République. La seule différence, et on l'a déjà expérimenté en 2021, c'est que les candidats doivent être parrainés par les députés et maires issus des partis politiques. C'est tout ce qui a changé. C'est dans un autre pays qu'il y a eu un débat, et quelques jours que vous avez vu sur les réseaux, où ils envisagent de changer leur constitution pour faire en sorte que le président ne soit plus élu par les populations, mais par l'Assemblée nationale. Ça, c'est un pays voisin du Bénin. Mais nous, ce sont bien les populations qui élisent le président de la République. Mais le candidat à l'élection présidentielle est parrainé par les partis politiques à travers leurs députés et ou maires. Et puis vous dites, et un exemple de pays francophone, je suis curieux, et cher ami, parce que nous, on s'est souvent plaint ici de dire que les pays francophones, les pays qui ont été colonisés par la France, on fait mal les choses, on ne fait que bavarder. Et on regarde, on dit souvent, ben, c'est différent chez les anglophones parce qu'au Ghana, il y a ceci, au Nigeria, ceci. On a l'habitude de dire ça. Et j'ai dit tout à l'heure, moi, que s'il y a du bien quelque part dont on peut s'inspirer, on va chercher parce que ce que nous faisons de bien qui intéresse les autres, ils viennent chercher. Vous pouvez chercher vous-même. Il y a plein de pays au monde, qu'ils soient francophones ou non, en Europe ou ailleurs, où des exemples de structuration de la vie politique, de la vie partisane existent. Et j'ai rappelé, la réforme n'interdit pas d'avoir plus de 2 partis. On peut en avoir 1000 encore demain si on veut. Ce que la réforme veut, c'est que parmi ces partis, qu'il y en ait qui soient de vrais partis de gouvernement. Des partis donc qui soient obligés d'être forts, d'être présents partout pour contribuer à la cohésion nationale, à l'unité nationale. Mais si vous choisissez de ne pas être un parti de gouvernement, vous pouvez dire, moi je suis un parti qui a tout son ancrage dans Kétou. J'ai quelques militants dans les autres communes et je trouve le nombre qu'il faut pour créer un parti. Mais moi, je fais mon combat dans Kétou parce que je veux que les grands partis qui sont au plan national et qui s'intéressent à Kétou parce qu'ils veulent être maires ici, qu'ils tiennent compte des idées que j'agite parce que j'ai le sentiment que ces idées ne se retrouvent pas dans ces partis. Ça, c'est votre choix. Mais pour que nous ayons désormais des partis responsables qui gouvernent et qui rendent compte de leur action aux populations, il nous faut des grands partis. C'est ça qu'on appelle des partis de gouvernement, qui soient représentés partout. Et ça, c'est ce que le Code veut obtenir. C'est pour ça qu'il y a ces conditions pour que parmi tous les partis qui se créent ou qui vont se créer, que certains s'obligent à observer ces conditions parce qu'eux, ils aspirent à gouverner le Bénin, ils aspirent à avoir des députés, ils aspirent à prendre en charge
les communes de notre pays. D'accord, monsieur le porte-parole du gouvernement. J'espère que monsieur Amoussou parfait est satisfait. Nous sommes au 61 80 24 61. Chers auditeurs, appelez-nous pour poser vos préoccupations. Merci. Donc, on va peut-être aborder un peu le domaine sportif, monsieur le porte-parole du gouvernement, puisque vous portez la parole du gouvernement. Donc, tous les domaines doivent être concernés. Nous allons prendre un exemple à tout bout de champ. Quand nous prenons autant de moyens mis dans le domaine du sport, notamment dans le domaine du football par le président de la République, on a comme impression qu'il y a une corporation qui est mise de côté, la corporation des hommes en noir, les arbitres de football. C'est annoncé en grande pompe par l'ancien ministre Ozado Meki, qui seront désormais salariés durant le championnat pour leur permettre d'être à l'abri pour éviter les questions de corruption. Mais jusque-là, rien n'est fait. Et mieux, il a été dit et écrit le mois suivant que 88 millions sont mis à leur disposition pour le compte de la saison passée. Ben, les arbitres n'ont rien reçu. Monsieur le porte-parole, vous m'informez, je ne sais pas. Vous m'informez, je vais chercher à comprendre. Je ne suis pas ministre des Sports, je suis porte-parole du gouvernement, mais il y a des préoccupations qui relèvent de la vie quotidienne des ministères et des associations. Si vous demandez à n'importe quel parole du gouvernement, sauf s'il veut vous mentir, mais s'il est honnête, il va vous dire ça, je ne sais pas encore. Le temps que ça arrive, là où ça doit arriver pour que moi je sois informé. Et là, vous me donnez une information, je vais chercher à comprendre. Moi, je sais qu'il y a eu des réformes, je sais effectivement que le chef de l'État a décidé que, effectivement, il y ait cette prise en charge des arbitres pour éviter la corruption, afin que les résultats sportifs soient des résultats crédibles. Ça a été pris comme décision. Maintenant, est-ce que la mise en œuvre est retardée? Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire ici, maintenant, sauf à aller chercher à comprendre comme vous. Par contre, vous avez évoqué le sport. J'ai vu comment nous avons décidé de prendre en charge désormais toutes les équipes nationales de toutes nos fédérations dans toutes les disciplines. Jusque-là, c'était que le football. C'était que le football. Et on a considéré que le football, c'est le sport roi. Les autres disciplines, quand bien même elles sont engagées dans des compétitions à l'international, elles sont obligées de se défendre. Et ça fait que parfois, elles limitent leurs chances parce que leurs moyens leur permettent de partir avec très peu d'athlètes. Et depuis l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an, décembre 2022, le chef d'État a rencontré les acteurs du monde sportif et ils ont posé cette doléance-là. Et le président dit, c'est vrai, c'est pertinent. Depuis lors, le gouvernement a été instruit à travailler et la décision a été prise formellement il y a quelques semaines que toutes les équipes nationales, donc qui représentent le Bénin à l'étranger, soient prises en charge par le gouvernement. Et c'est ça qui a nécessité qu'on mobilise une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA au profit de ces équipes pour les campagnes qui viennent prochainement. Ça a commencé déjà avec celles qui sont parties aux Jeux africains, et ce sera le cas pour les autres campagnes auxquelles ces différentes équipes pourront participer. Monsieur le porte-parole du gouvernement, toujours parlant du sport, j'ai une question, vous l'avez brièvement abordée. Parlons du football béninois, nous voyons l'équipe nationale de Dichuyé à Moussala Tundi, de Moussala Tundi à Guénotra, mais jusque-là, rien n'a changé. Des écureuils pour les guépas du Bénin. Je voudrais savoir, qu'est-ce que le gouvernement fait pour que nous ayons demain une relève de qualité? Il y a une mutation qui est en cours. Le gouvernement fait ce qu'il doit faire et j'ai observé comme vous, parce que je suis tout aussi sportif ou amoureux du sport, et toutes disciplines confondues, particulièrement le football, et nous sommes tous en quête de résultats qui nous fassent vibrer quand nous allons au stade ou quand nous voyons notre équipe jouer à l'étranger. Et je vois qu'il y a une mutation qui est en cours, un renouvellement aussi générationnel au sein de cette équipe. Les moyens sont mis, le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Mais le gouvernement a foi que ces guépardos-là, ils vont devenir de grands guépards, et que quand ils seront de grands guépards, ils seront injouables pour toutes les équipes qui vont les rencontrer. Parce que nous avons vocation aussi à jouer les grandes compétitions, à aller à la Coupe du Monde, et nous y travaillons. L'autre chose peut-être qu'il faut rappeler dans le domaine du sport, c'est le projet des classes sportives aujourd'hui qui a porté ses fruits, où le collège de Sainte-Rita représente le Bénin. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique, je crois, l'année dernière. Cette année également, la même équipe poursuit l'aventure. Est-ce qu'il ne faut pas travailler pour pérenniser ça? Bien sûr, ça fait partie des acquis à préserver dont on a parlé tout à l'heure. Si on a des résultats, si on voit bien que les classes sportives portent leurs fruits parce qu'il y a des talents qui sont détectés, qui sont encadrés, parce que c'est aussi ça, détecter, encadrer et sur la durée pour leur permettre de devenir de vraies pépites qui éclosent. C'est ça qui est en cours et ça fait partie, à mon sens, des acquis sur lesquels nous devons
travailler à leur préservation. La deuxième manche de cette question est donc... On laisse l'auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous c'est qui, s'il vous plaît? Moi, c'est Samuel Okpeifa. Monsieur Samuel Okpeifa. Oui. Votre préoccupation? Merci. Je salue le porte-parole du gouvernement pour toutes les explications qu'il a données sur plusieurs plans de développement du Bénin. Ma première préoccupation, la question de la suspension de l'attestation de détention coutumière au Bénin. Qu'est-ce qu'on peut comprendre mieux du porte-parole du gouvernement de cette décision? La deuxième préoccupation, je salue l'effort du gouvernement. C'est que lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Je voudrais demander au porte-parole du gouvernement, au régime actuel, qu'est-ce que le porte-parole en sa pleine conscience peut reprocher à ce régime actuel? Merci beaucoup pour la qualité du débat, cher journaliste. Merci. Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous l'avez suivi. Oui. Mais attends, il y a une question pour le volet sportif. Les encadreurs sportifs se plaignent que depuis près de 5 mois, ils sont restés sans salaire. Monsieur Raimi, vous me posez des questions, encore une fois, qui relèvent de l'intendance quotidienne des ministères. Je vous ai répondu tout à l'heure, vous me donnez une information que je vais remonter pour chercher à comprendre. Merci. Je ne suis pas au ministère des Sports, je ne suis pas dans les circuits financiers. Et je n'ai pas eu de plainte qui soit venue au niveau du gouvernement faisant état de ce qu'ils sont sans salaire. S'il y avait eu des plaintes là-bas, j'aurais été informé et j'aurais compris pourquoi. Je vous aurais dit même les diligences qui sont menées pour corriger ça. Mais quand je viens en plateau comme ça et en direct vous poser ces questions qui ne relèvent pas directement de moi, c'est compliqué parce que vos auditeurs vont penser qu'on ne leur apporte pas les bonnes réponses. Ça, il faut chercher à savoir pourquoi. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, pour M. Samuel Okpeifa, sa première question, c'est concernant l'attestation. Il y a eu des anomalies qui ont été dénoncées ou révélées. Et vous savez que nous faisons des réformes dans plein de secteurs et nous voulons que les choses se passent bien pour les populations. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'y voir clair et a suspendu d'abord. Mais en suspendant, il a mis des nuances pour que ce qui est déjà en cours fasse l'objet de traitements au cas par cas, notamment à la diligence des préfets, pour qu'on ne bloque pas des projets qui vont se mener et pour lesquels l'ADC est indispensable. Donc c'est une suspension relative, puisque si des demandes sont déjà introduites pour des projets à réaliser, on demande au préfet de regarder de près et d'accorder et de faire accorder ces ADC-là pour que le projet évolue. C'est le temps de voir clair, et puis s'il y a une réforme qui doit se faire ou non, tout cela se fera. Maintenant, M. Okpeifa, il demande au porte-parole de lui dire en âme et conscience ce qui n'aurait pas marché sous ce gouvernement. Je suis convaincu, d'abord, première chose, je vais lui répondre, je suis convaincu qu'il vient d'une maison, M. Okpeifa. Il est peut-être lui-même déjà père de famille. Et s'il est père de famille et que son enfant, demain, prend un gant et se met au portail et commence à gongonner pour dire aux voisins du quartier, « Venez, venez, je vais vous raconter ce qui se passe mal dans ma maison. » Mon papa, il est ci, ma maman est ça, mes frères font ci ou ça. Je suis convaincu qu'il va dire que cet enfant, il est responsable. Il va même dire qu'il n'est pas son enfant. S'il était son enfant, il serait pas. pour dire que quand on est responsable et à ces niveaux-là, on fait les débats à l'intérieur des groupes de décision. On fait les débats. S'il y a des choses qu'on considère que ça ne va pas, on le dit là-bas. Ce n'est pas dehors et davantage en public qu'on va dire ces choses-là parce que ça ne fait pas responsable. J'ai toujours dit, moi, dans mes émissions, on est des humains, tout n'est pas rose, mais le bilan, il est largement positif, largement. Sur l'échelle de 100, je suis convaincu qu'on est au moins à 75 au regard du programme que le candidat Talon a proposé au peuple béninois et au regard de l'ampleur des réalisations, je suis convaincu qu'on est au moins à 75% de bon. Donc, si on fait ça, ce qui importe après pour un pays, c'est la dynamique globale qu'on impulse. Les biais qu'il peut y avoir, c'est fonction de la provenance des uns et des autres, de l'état d'esprit, des données du moment aussi, qui amènent à prendre telle ou telle décision. Donc, tout ne sera jamais rose. D'un régime à l'autre, d'un pays à l'autre, ça n'existe pas.
Donc, si on est honnête et modeste, comme le chef de l'État lui-même il le fait, il le dit, on doit considérer qu'il y a des efforts à faire, il y a des améliorations possibles. Et c'est pour ça qu'au quotidien, on se remet en cause. Tout à l'heure, vous avez évoqué les 175 AME qui avaient été suspendus. Quand on a fait le débat, c'est le propre ministre qui a dit, ah, Monsieur le Président, bon, il y a un groupe qui avait fait chose et puis je les ai sanctionnés. Est-ce qu'à cette occasion-ci, on ne va pas profiter pour... Et le président a dit, bon, ce sont des Béninois. S'ils ont fauté hier et qu'ils ont reconnu leur faute, on a besoin d'eux, parce que c'est fils du Bénin. Moi, ça ne me gêne pas qu'on les reprenne. Et c'est comme ça que la décision a été prise de les réintégrer. Donc voilà, monsieur Okoifa, ce que je peux vous dire. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Parfait Amoussou. Oui, c'est lui. Vous êtes satisfait? Je suis satisfait du pas et de l'autre pas. Je suis revenu pour une dernière préoccupation. Oui, allez-y rapidement. Je remercie beaucoup monsieur le secrétaire du gouvernement pour tout ce qu'ils font pour le pays. Et quand ça reste à faire, rien n'est fait. Rien n'est fait. C'est pas que rien n'est fait. Quand ça reste à faire, il reste ce qu'il reste à faire. Donc je respecte son nom. En son avènement du prix du pouvoir, il a dit ça, le social. Et le social, là, ça c'est pour faire le vœu au moment où nos populations, nos pays populations sont dans le désastre de la pluie. Par exemple, avant hier, il y a un village à côté, le village d'Izou. Il y a près de 20 cas qui sont rasés par la pluie. Et ces habitants-là aujourd'hui, bon, c'est Dieu seul qui sait là où ils dorment. Aïdi, ça s'est passé. Aïdi, qui nous a fait passer. Ah, d'accord, ça s'est passé. Quelle structure est basée pour aider ces populations-là qui ont voté pour nous à être au pouvoir aujourd'hui? Quelle structure est en base pour les aider? C'est ce que je voulais savoir. D'accord, merci, monsieur. Monsieur Ça s'est passé avant-hier seulement. Hein. Avant-hier seulement. Et il y a l'arrondissement, il y a la mairie, il y a la préfecture, il y a le gouvernement. Le gouvernement a mis en place depuis quelques années une structure qui est là pour prévenir ou prendre en charge les dégâts, surtout quand il y a les inondations. Il y a une structure composée de plusieurs ministères, dont celui de la décentralisation. C'est par exemple dans une commune ici qui est l'intérieur, qui font le travail. Il y a une dotation. Et même, souvenez-vous, l'année dernière, on l'a annoncé. Et cette structure a mis à la disposition de toutes les communes des lignes budgétaires qui leur ont permis de prendre des produits de première nécessité, des vivres et autres équipements au profit des personnes sinistrées par les inondations. Donc, l'État joue sa partition. Maintenant, au niveau de l'arrondissement, qu'est-ce que les populations même font pour faire jouer la solidarité? Qu'est-ce que la mairie fait? La mairie, si vous payez bien les impôts, les taxes dont la mairie a besoin, elle doit avoir une ligne certainement pour ces situations-là. Et en plus, la structure au niveau national vient jouer sa partition. Mais vous dites bien que c'est avant-hier. Figurez-vous que si c'est avant-hier et que les dégâts sont d'ampleur, le maire va faire un compte-rendu au préfet, ensuite au ministre de la décentralisation, jusqu'à ce que ça arrive au gouvernement et que s'il y a encore des mesures particulières à prendre, elles soient instruites pour être prises, ces mesures-là. Donc, vous voyez le circuit. Et si c'est seulement en 48 heures, vous voulez que je vous apporte des solutions, je vais demander qu'est-ce que M. Amoussou lui-même a commencé à faire depuis 48 heures pour que nous puissions l'aider à aider les populations qui sont sinistrées. Allô, nous avons un autre auditeur au bout de fil. Allô, bonjour. C'est ça qui est mis à demander de ça va. Monsieur Aki, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ademola. Aki Yemi Ademola. Oui. Okay, merci beaucoup, monsieur le journaliste, le porte-parole du gouvernement. Moi, j'ai une seule préoccupation. Oui. Au niveau de l'éducation. Éducation. Pourquoi le concours doit permettre à ceux qui désirent au métier ou petit enseignement n'est plus lancé la présence? D'accord, c'est votre préoccupation. Merci, pas compris. Il dit, par moment, il y a... On devait lancer peut-être, le gouvernement a annoncé, lancer des concours au profit des AME pour leur permettre d'être agents contractuels de l'État. De réintégrer la base. Mais maintenant, c'est pas lancé. Attention, c'est pas la même chose que vous dites. Il parle de, est-ce qu'il y aura, par exemple, de nouveaux tests pour qu'il y ait de nouveaux aspirants à intégrer dans la base ou bien... Et vous parlez de reversement. Monsieur, il a parlé de concours. Il a parlé de concours. Concours à quelle fin? Le concours pour permettre aux AME, parce qu'il était dit qu'on va organiser un test pour les AME. Mais c'est pas un concours, ça. Si c'est pour le, c'est ce que j'ai dit, c'est pour le reversement, c'est pas un concours. Ils ont déjà fait même un test. Ils ont déjà fait un test pour être AME. Il était question de leur faire un test de qualification pour le reversement. Mais depuis les discussions, le chef d'État a même dit, est-ce que c'est nécessaire de faire un nouveau test? À la base, il a fait un test. C'est pour ça qu'on regarde les critères. J'ai dit, on reviendra
le moment venu pour dire, voilà, pour le reversement, voici ce qui va être fait. Oui. Maintenant, est-ce que c'est bien ça la préoccupation de notre ami Ademola? La deuxième manche, mais maintenant, est-ce qu'il y aura de nouveaux tests maintenant? S'il y a des besoins nouveaux qui s'expriment, oui. Et regardez, à la rentrée dernière, on a autorisé pour le déploiement de 400 et quelques AME, dans le secondaire notamment. S'il y a de nouveaux besoins et que la base n'est pas suffisamment fournie, il y aura de nouveaux tests pour recruter, sélectionner des gens à inscrire dans la base de l'aspirana et qui pourront être déployés parce que les besoins seraient là. Monsieur le porte-parole du gouvernement, nous tendons petitement vers la fin de cette émission. Votre mot de fin. Je n'aurais qu'à vous remercier et remercier particulièrement nos amis auditeurs qui ont appelé pour partager leurs réflexions avec nous et nous permettre aussi d'expliciter certains points. Je crois que c'est très positif et ça montre bien l'intérêt que les populations portent à l'action du gouvernement. Et je voudrais vous remercier particulièrement de servir le courroie de transmission entre nous et les populations. Merci beaucoup, Mme Gouédien. Merci à vous. C'est moi. Nous voici au thème de cette émission sur laquelle les questions d'actualité ont été abordées. Merci à toutes et à tous pour la participation effective. Et merci à vous également, Monsieur le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, pour votre passage sur nos stations.